À chaque fois, ça se passe d'une manière un peu improvisée, c'est-à-dire qu'on travaille, et puis un peu comme la musique de chambre, chacun a son ressenti, donc les échanges se mettent en place, on écoute beaucoup. C'est vraiment une correspondance entre les solistes et violon solo et les chefs d'attaque des pupitres et les solos là. Et tout est en contact, à l'écoute et bien sûr aussi en regard. En fait, il y a surtout une direction commune qui vient du fait que chacun a réfléchi, est amené à réfléchir sur la partition. Les conducteurs, ce qu'on appelle les conducteurs, c'est-à-dire les parties qui regroupent toutes les parties de l'orchestre, sont étalées par terre. Chacun peut en avoir s'il a envie. Je dirais que je suis un peu l'âme du projet et après, comme un chef cuisinier qui va permettre est-ce que la cuisine se fasse aussi sans moi, en fait, que les choses émergent par elles-mêmes et de laisser le maximum de place à toutes les personnalités, tout en maintenant la cohérence musicale et humaine du groupe. Le plus important, c'est la bonne énergie qu'il y a ici. Et parfois, peut-être c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent différent, mais dans 3-4 minutes, si on parle, on s'ajuste tout. Et c'est ça le plus important parce que comme ça marche bien la musique et on peut fluir tout. C'est bien, oui, j'aime bien. Faire de la musique sans chef, je me disais oui, pourquoi pas. On n'avait pas forcément encore la prétention de pouvoir jouer les symphonies de Beethoven, même Shostakovich, Tchaïkovski ou même La Mer. On n'était pas du tout encore dans ce voyage-là. Donc, et puis là, voilà, on en est là, à jouer 5e de Shostakovich, 70 musiciens. Et c'est vrai que ce qui paraissait peut-être pas impossible, mais bon, une gageure au début est devenue quelque chose d'extrêmement excitant. Énergie, respect, joie. Musique, partage et rire. Energía, rapidez y compartir. Joie, musique, partage. Energía, passion y amor. Energy, joy and excitement. Challenge, beaucoup d'humour, beaucoup d'écoute aussi. Joie de la musique. Eleganza, precisione e divertimento. Thank you.
Ciao.